c'est parti pour Filmbulle, présenté par Sylvie Bouchainville. Elle est née le 31 mars. Elle est grise. Non, pas comme son père, bien sûr, Costa Alpaz qui est bien, mais comme son grand-père maternel, Fragrant Mix. Qui avait donc donné naissance à Sagrada Familia, lauréate de trois courses en Normandie et en Bretagne, notamment au Pawara et puis aussi à Carré. C'est la souche de Jaffet. Sinon, on va marcher, on la reposera après, c'est pas grave. Des fois, il se pose mieux après le trou. Donc, Jaffet, oui, un fils de Perrault qui a été une grande, grande vedette pour Guillaume Macaire. Oui, plus près du milieu, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, ça laisse plus d'espace pour le public de le voir. Plus près du milieu, voire de la barrière du milieu, carrément. Qui fait la séparation entre les deux rings. Aujourd'hui, ce matin, un sol est exploité. Vous pouvez revenir, pas trop loin, vous pouvez revenir. Voilà, donc fier lieu pour cette filmule. Donc Jaffet, c'est sous la cinquième. Alors, c'est vrai que ça remonte un peu, et je vous disais qu'il était très difficile de gagner contre Honteux. Eh bien, Jaffet, c'est un type d'exploit qu'il avait accompli, puisqu'il s'était imposé dans le prix Maurice Gillois, c'est-à-dire le meilleur steeplechase pour les chevaux âgés de 4 ans, qui se déroule au mois de novembre à Auteuil, souvent dans le terrain à l'eau. Allez, on enchaîne avec le trot. Pas besoin d'aller jusqu'au bout de la piste, hein, ne vous inquiétez pas. Plus près du milieu, s'il vous plaît, plus près du milieu. Voilà, c'est parfait. Je suis bien souple ici, donc. Puisque non seulement il a accompli une excellente carrière de course, un petit peu meilleure que celle de Martaline d'ailleurs, et il a une carrière de...